plus là, t'as vu, tu peux même avoir tes petites feuilles de pompe sans que personne te voit. Voilà, ça c'est bien. Et puis en plus, je crois que pour une fois, on a réussi à se connecter d'entrée de jeu. Là, on est en direct. Alors ne dis pas que t'as des petites parce que sinon tout le monde va savoir que tu gruges à fond. Moi, je vais mettre en même temps le téléphone juste pour recevoir les messages. Ou si ça passe trop vite, je vais pouvoir les reprendre après, surtout par rapport à la partie question. C'est comme là, on fait quelque chose d'un petit peu différent. Voir si j'arrive à le... J'ai coupé le son là, voilà. Tac. Ouais, là on est pas trop mal. Tac. Voilà. Et juste remettre. Coucou Jean-Mi. Je vois que t'es déjà en place. Ouais, dis pas de bêtises, François, attention. Sensei est là. Bah oui. Sensei est là. Donc, on est pas du commerce, là. Hein. Non, surtout quand on va parler d'élevage, ça va. Faut pas qu'on dise trop de bêtises. On va attendre encore un. Moi, j'avais un chien loup, bah, quand il avait goûté le sang après. Ah bah, c'était fini. C'est mauvais, les chiens loups. Ah bah, ça, surtout quand ils ont goûté le sang. Ah, quand ils ont goûté le sang, c'est foutu. Et puis, il faut pas enlever de la viande crue, sinon après. Ça les rend agressifs. Hein. J'avais un bar au bout de la viande. Un bar rouge, il était de garde. Hein. Et il n'avait pas une tache sur la langue. Une tache noire sur la langue. Ceux-là, c'est les pires. Hein. Voilà. Des fois, il regarde comme ça dans les yeux, comme ça, il te regarde. Et... J'aime pas trop les chiens qui regardent comme ça. Tu discutes dans Saint-Aubin, les gens te disent hein. Oh, j'avais un bar rouge, il était de garde. Hein. Il te laissait rentrer, mais il te laissait pas sortir, hein, celui-là. Et critique pas trop le jeu de Saint-Aubin, de toute façon ils sont tous en direct en train de regarder. Saint-Aubin, c'est le nom de notre village, Saint-Aubin d'Apnée. Remarque, si les élus n'ont pas mis le réseau, il n'y a pas de wifi en fait, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de pédale, il n'y a pas de service. Ah ben si, non, mais il y a tout, il y a la fibre qui arrive dans un mois là. Bah nous c'est passé, je ne sais pas si c'est raccordé. Non, mais ça doit pas être raccordé encore. C'est pas encore raccordé, je ne suis pas sûr. Donc c'est normal, hein, si ça saute encore un petit peu au niveau de la vidéo, il n'est pas encore tout à fait 30. Le plus dur pour passer la fibre, c'était que tout le monde coupe ses... Ouais. Ça a été l'enfer, ça. Parce que là, c'est nous. Oui, mais je me doute, mais... non, mais sauf qu'il y a des gens, ouais, je vais le faire, d'autres, ouais, vous nous emmerdez, pas que ça va faire, mais bon, le mec, la société, elle arrive, si les sont pas faites, elle repart ailleurs, hein, parce qu'ils ont un tel boulot. Ouais, je sais pas, là, en bas, c'était pas fait par certaines personnes, donc quand même. Ouais, si ça passait, ça passait. Ouais, ouais, mais, après, c'était des petites branches. C'est ça, ouais. Voilà, je crois qu'on divague un peu au niveau du sujet. Je vais attendre qu'il soit 19h30 pile avant de lancer notre. On attend. Ah, mais il n'est pas encore tout à fait 19h30, c'est pour ça. Il est 19h29. Le temps que ça se connecte un petit peu. Donc, pour ce quatrième rendez-vous live, on propose quelque chose d'un petit peu différent et on profite aussi d'avoir François à nos côtés pour approfondir certains sujets. Donc là, nous sommes sur des sujets d'élevage canin et vous rappelez, j'avais lancé un petit sondage pour savoir quel sujet vous intéressait le plus. Je ne me rappelle plus tous les sujets d'ailleurs. C'est pour ça que je vais vite fait discretos. Moi aussi, j'ai mes notes. nous avions comme sujet sélection et hypertype, phénotype et génotype, physiologie de la reproduction en élevage canin et santé et prophylaxie pour la conduite d'élevage. Et donc, à plus de 60%, vous nous avez demandé le phénotype et génotype, l'influence du milieu et l'héréditabilité. L'hérédité, plutôt. C'est héréditabilité. Héréditabilité, ça se dit aussi. C'est le coefficient d'héritabilité, ouais. Ok, ouais. Bon, bah, je prends déjà une première leçon. et donc, c'est un petit peu ce que l'on vous propose ce soir. C'est un format un peu différent, c'est plus un exposé théorique donc sur ce sujet-là, le génotype et le phénotype, savoir qu'est-ce qui influence le plus, si je puis dire, si c'est l'action du milieu,
ou si c'est la sélection en tant que telle du génome, des gènes, de l'ADN, bestioles à l'intérieur des animaux, ça. Et donc, je vous propose que ce soit comme, je ne vais pas dire un cours, ce serait prétentieux et ce serait barbant surtout, mais plus comme un exposé. J'ai prévu de quoi prendre des notes aussi, un petit peu, comme ça, en fonction de ce que François va nous proposer. Notez si vous avez des questions, des choses comme ça. À l'issue de cet exposé qui sera relativement court, hein, un petit quart d'heure, 20 minutes, je pense qu'on sera, oui, on sera non, à peu près sur ce créneau-là. Ouais. À l'issue de ça, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à une séance de questions-réponses par rapport à ce sujet-là, et puis pourquoi pas déborder un petit peu si le temps nous en permet. Mais je propose que l'on s'organise comme ça, c'est-à-dire d'abord la partie exposée, et ensuite, on est à votre disposition pour essayer de répondre à toutes les questions. Et pour introduire l'exposé, j'ai envie de demander à François, mais qu'est-ce donc le génotype et le phénotype? Ça calme, l'entrée de jeu, oui. Ça calme. Alors, ce qu'on avait un petit peu évoqué, hein, c'était que ce soit quand même quelque chose d'assez vivant et pas trop théorique, parce que je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment tout le monde. Donc, on va un petit peu enlever la partie très théorique quand on fait un cours de génétique sur les lois de Mendel, où là, on fait les échiquiers de croisement. Donc, ça, on ne va pas l'aborder. Mais pas par contre, suite, ce qu'on va s'intéresser, c'est effectivement, on va essayer de partir un petit peu de la pratique. C'est-à-dire, je suis éleveur. Donc, si je suis éleveur, c'est peut-être sous-entendu, je suis sélectionneur. On peut être éleveur sans être sélectionneur, mais quand même, dans la plupart des cas, on essaye aussi d'abord d'être sélectionneur. Et la question, la réflexion, c'est qu'est-ce que je vais sélectionner pour aboutir à un objectif que je me suis peut-être fixé. Alors, effectivement, dans la notion, là, la notion de génotype et la notion de phénotype. Alors, qu'est-ce que c'est que le génotype? Eh bien, c'est en fait, le génotype est constitué de l'ensemble des caractères qui sont héréditaires et qui sont propres à chaque individu. Donc, chaque individu a son génotype avec des séquences de gènes qui lui appartiennent, qui lui sont propres. Et effectivement, la combinaison des gènes là, qui se situe sur un même chromosome, eh bien, constitue effectivement ce qu'on appelle le génotype. Et donc, c'est ce qu'il retransmet à sa descendance. Voilà. Donc, dans le mot génotype, vous avez le mot gène. Gène. Et effectivement, c'est ce qui va être héréditaire. C'est ce qui va se transmettre de génération en génération. Donc là, effectivement, après, on va s'intéresser à est-ce qu'il faut s'intéresser au génotype ou au phénotype. Le phénotype, eh bien, c'est ce qui va concourir à l'expression du génotype, mais dans un environnement donné. C'est-à-dire que le phénotype, c'est on observe l'animal et en fonction de ce que l'on voit, on va prendre des décisions. Exemple, tout simple, je prends mon chien, je vais en exposition canine et là, le juge va juger mon chien que sur le phénotype. L'ensemble des caractéristiques qui sont observables. Donc ça, c'est le phénotype. Donc à la fois la morphologie, mais ça peut être aussi le comportement. Le comportement aussi. Et d'ailleurs, dans les expositions, par exemple, ou les séances de confirmation, le chien qui n'aurait pas un comportement adapté serait déclassé. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de visible. D'accord. Donc ça, c'est la partie phénotype. Voilà. Ce que l'on peut observer. C'est le phénotype. Et donc, la valeur du phénotype, bah, c'est effectivement une partie de la valeur du génotype, puisque le phénotype est exprimé par le génotype, mais aussi par l'intervention ou l'écart dû au milieu. C'est-à-dire que quand je regarde mon chien, eh bien, évidemment, il a des yeux bleus, ça c'est le génotype. C'est pas parce qu'il habite à Saint-Thomas-d'Apnée ou à Marseille, qu'il soit élevé dans un chenil ou dans la maison, il aura les yeux bleus. Donc ça, c'est pas lié à l'écart dû au milieu. Mais ça, en exposition, je vais l'observer. Et par contre... Oui, c'est ce que j'ai demandé, une caractéristique donc, du phénotype, mais qui serait liée à l'impact du milieu, à l'influence du milieu. À l'influence du milieu, c'est par exemple, en élevage canin, la prolificité. D'accord. Le comportement... Peut-être expliquer prolificité, ouais. Parce que... Alors, prolificité, c'est par exemple le nombre de chiens, le nombre de chiots qu'il y aura dans une portée, par exemple. Donc ça, c'est... Parce qu'on entend souvent que
Bah, par exemple, du coup, je te coupe un peu, j'ai déjà entendu dire que certaines lignées faisaient moins de chiots que d'autres, ou que la trop de consanguinité avait un impact sur, sur la prolificité en tant que telle. Oui, alors c'est pas lié que au milieu, il y a quand même une part de génétique. Alors peut-être on va voir un petit peu après sur la prolificité, on y reviendra, parce que ça c'est souvent des idées effectivement qu'on entend. Je garde ce chiot de cette portée parce que c'était une portée qui était où il y avait 10 chiots par exemple. D'accord. Et en faisant ça, j'espère que mon chien va reproduire le fait d'avoir des grosses portées. Alors, peut-être pour resituer un petit peu, donc juste dire, là l'intérêt en fait par rapport au phénotype, c'est d'essayer d'estimer la balance quel est l'impact du génotype, en fait, de l'hérédité, de la génétique, et quel est l'impact du milieu. Voilà. Quel est le pourcentage, quel est le ratio, en fait, entre les deux pour cette expression du phénotype, la valeur phénotypique. Alors, je vais essayer de prendre un exemple un petit peu concret, qu'on n'aille pas trop dans... Je vais en exposition. Mon chien finit premier parce qu'il est très proche du standard. Il a un phénotype parfait. La question qu'il faut que je me pose, c'est... Est-ce que c'est le fruit du hasard? Il y a eu une combinaison génétique qui fait que mon phénotype est parfait. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Ou est-ce que ça a été construit génétiquement? Donc ça, quand j'ai mon chien en exposition, je ne peux pas le savoir. Enfin, moi, en tant qu'éleveur, peut-être que je le sais, mais monsieur qui est devant le ring et qui regarde le chien, lui, il observe que le phénotype, et il ne peut pas savoir si c'est le hasard des combinaisons ou si c'est un raisonnement génétique. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, au niveau du phénotype, on n'en sait pas plus. Avant de choisir ce chien pour faire une saillie, eh bien, peut-être qu'il faudrait que j'essaye d'estimer sa valeur génotypique. C'est-à-dire, aller voir, par exemple, ses frères et sœurs. Comment sont ses frères et sœurs? D'accord. Est-ce on regarde les collatéraux pour se donner une idée. On peut évidemment regarder les descendants, s'il a fait des portées déjà. Est-ce qu'il a aussi transmis ses qualités, ou est-ce que c'est... le pur hasard de la combinaison génétique qui fait que ce chien est magnifique, mais en fait, il ne transmet rien du tout. D'accord. Donc déjà, tu nous orientes un petit peu sur ce regard de sélectionneur, c'est-à-dire que cet étalon ou cette lisse que tu as vue en exposition, qui était très belle d'un point de vue phénotypique, tu cherches à savoir quelle est sa part d'héritabilité. C'est trop compliqué pour moi. À cette heure-là, c'est trop dur. Voilà, est-ce que c'est vraiment dans ses gènes qu'il peut le retransmettre, ou il y a eu beaucoup d'autres influences, donc on appelle ça influence du milieu, mais beaucoup d'autres paramètres autour qui ont pu le rendre aussi bien en expo. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'est le degré de confiance qu'on peut accorder au phénotype. Parce que, peut-être le rappeler, mais l'influence du milieu ne va pas se transmettre dans les chiots. Alors, elle peut se transmettre. On peut le voir apparaître sur les chiots, mais sur des caractères qui ne seront pas héréditaires. Le milieu, lui, va influencer, mais sur des caractères génotypiques, là, en revanche, on ne le verra pas par l'effet du milieu. D'accord. Très peu. Alors, pour le phénotype-génotype, donc voilà un petit peu. Le génotype, pour résumer, c'est l'ensemble des caractères héréditaires. L'ensemble du génome. La combinaison des gènes vont faire qu'ils vont s'exprimer sur des chromosomes. Et ça va nous donner le génotype du chien. Le phénotype, c'est effectivement ce que l'on voit sur l'animal. On le mesure, le chien, il est beau en exposition, on voit le phénotype. Le chien, il est dans une compétition, il saute 2m30, il a sauté. C'est tout ce qu'on voit. Là, tu parles de la palissade, on ne dit pas sauter, on dit grimper. Grimper, si on veut. Mais voilà, j'ai observé, il le fait, il ne le fait pas. Ça, c'est du phénotype. Et donc, ensuite, il faut effectivement, par rapport à tout ça, se dire, est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que ça a été construit génétiquement? Alors après, on pourrait peut-être partir sur, effectivement, les caractères. C'est ce que j'allais dire. Parce que moi, j'ai tes notes, je les vois. Ouais. Et en fait, tu nous parles de caractère quantitatif et de caractère qualitatif. C'est intéressant. Voilà. Donc, le caractère, en fait, c'est ce qui va s'exprimer. C'est ce qu'on va pouvoir observer. Donc, un caractère qualitatif, c'est souvent lié à l'extérieur du chien. C'est-à-dire que la couleur du chien, ça, c'est un caractère qualitatif. Ce caractère, il n'est pas mesurable. C'est-à-dire, votre chien, il est de telle couleur, mais vous n'allez pas le mesurer.
Mm-hmm. Dites, voilà, il est noir, voilà, c'est tout. Mais vous ne mesurez pas ce caractère qualitatif. D'accord, donc qualitatif, ça veut dire qu'il n'est pas mesurable. Qu'il n'est pas mesurable. D'accord. Alors que le caractère quantitatif, lui, va être mesurable. C'est par exemple, on revient sur notre prolificité. La production de lait qu'une femelle va produire. Ça, mm-hmm. c'est quelque chose de quantifiable, de mesurable. Bêtement, la taille d'un chien. La taille d'un chien, taille ça, d'un c'est chien mesurable. Produit. D'accord. Donc là, on est dans un caractère quantitatif. Quantitatif. On peut le mesurer. D'accord. Mais là, pour le coup, puisqu'on allait y venir, le caractère qualitatif, souvent, il a un intérêt économique qui est assez secondaire. C'est vrai plutôt chez les animaux de rente. Chez le chien, ça l'est moins. Parce que chez le chien, effectivement, les caractères qualitatifs ont parfois de l'importance. C'est la qualité du chien en exposition qui va donner une valeur marchande au chiot. Mmh. Alors que chez l'animal de rente, qu'il soit de couleur blanche ou noire, on va mesurer, on va s'intéresser surtout oui, à des caractères quantitatifs, c'est-à-dire c'est la production. Est capable de produire, voilà. Soit de la viande, soit du lait, soit de la laine, soit des choses D'accord. comme ça. Donc en élevage canin, c'est vrai que c'est un petit peu à différencier parce que nos caractères qualitatifs ont quand même de l'importance sur l'espèce canine. Ce qui peut peut-être aussi expliquer le manque d'études à ce sujet-là pour le domaine canin, voilà. parce que justement, il n'y a pas de critères économiques de rente derrière. Donc en général, les études sont menées pour essayer de gagner, d'être plus performant, gagner un peu plus d'argent. Et c'est vrai que dans notre domaine, le domaine canin, on n'est pas du tout dans ces objectifs non. économiques. On n'est pas dans la rente, dans de la production pour de la rente. Et du coup, il y a quand même assez peu d'études sur le sujet. Oui, il y en a très peu. Hein. Effectivement, si on compare par exemple avec les vaches laitières ou avec les porcs, où là, on est dans des productions de rentabilité pure. Et excuse-moi de te couper, c'est juste, j'en profite aussi pour dire que du coup, parce qu'il y a très peu d'études scientifiques sur le domaine canin, alors encore moins par rapport à nos chiens de travail comme les Malinois ou d'autres races, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'idées reçues et souvent les éleveurs travaillent, on va dire, ce sont des données un peu empiriques, c'est surtout issu de l'expérience, des données que les éleveurs vont collecter et essayer de recouper entre elles pour se faire une idée. Mais au final, on a quand même assez peu de données scientifiques oui. pures par rapport à notre espèce, et encore moins pour les gens comme nous qui sommes passionnés par les sports canins, des choses comme ça. Il y a encore moins d'études qui nous permettent d'affiner la part d'héréditabilité et l'impact du milieu pour avoir les meilleurs sujets et performer le mieux en compétition. Oui, c'est très Donc, archaïque. C'est vrai que ben, c'est aussi pour ça que c'est intéressant ce que tu nous proposes, parce que on peut aussi faire quand même un parallèle entre, tu nous parlais d'élevage bovin ou ovin pour la laine, des choses comme ça. C'est vrai que là, il y a des études, on peut peut-être transposer certains éléments justement oui. pour le domaine canin, où là, nous manquons d'informations. Oui, hein, c'est notamment, je reviens toujours là-dessus, parce que c'est un des seuls critères, la prolificité par exemple, ça a été fortement étudié chez les porcelets, mm-hmm. parce que ça a une importance capitale économique, chez le mouton. Ça a été aussi fortement de toute façon, calculé. Tout éleveur cherche à en avoir le plus possible voilà. parce que alors, c'est sa source de revenus. Chez la vache laitière, ça par contre, ça n'a pas été tellement étudié, la prolificité, parce que c'est des espèces monofétales. Donc on va s'intéresser surtout sur la production de lait, sur peut-être sur les vaches allaitantes, la production de viande, la longueur de carcasse, l'épaisseur de l'art dorsal. Ça, c'est des choses qu'on a très bien étudiées. En chien, c'est vrai qu'on l'a très peu étudié parce qu'il n'y a pas un aspect économique derrière. Quoi. Donc, sur les caractères quantitatifs, c'est des choses qui sont mesurables et ils ont une action aussi qui est sensible au milieu. C'est par exemple la prolificité, la production laitière. Si je veux avoir une grosse production laitière chez ma chienne et que je lui donne que de l'eau et du pain sec, elle n'a pas une production laitière, même si génétiquement, elle a peut-être des gènes D'accord. qui font qu'elle a une production laitière génétique qui est intéressante, mais qui va s'effacer devant l'influence du milieu. D'accord. Le milieu va masquer la partie héréditaire à ce niveau-là. D'accord. L'impact du milieu, la proportion, si on revient un peu, est plus important, impacte voilà. beaucoup plus que ce qu'il que hérite, l'aspect génétique. Ouais. Que ce qu'il hérite de sa Donc, propre lignée. Donc effectivement, ça c'est important. Les caractères quantitatifs sont sensibles au milieu.
les caractères qualitatifs sont très peu sensibles au milieu, c'est-à-dire le chien, sa couleur de robe, sa couleur des yeux n'est pas influencée par le milieu. Qu'il soit, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Voilà, qu'il soit élevé chez toi, chez moi ou ailleurs, qu'il mange Royal Canin ou une autre marque, ça n'influencera pas. On n'a pas le droit de citer les marques, là, comme ça. C'est pour ça que ça ne touchera pas la couleur des yeux, par exemple. Donc ça, c'est important. Parce que si on parle de la couleur, tout à l'heure, tu m'as cité un exemple, la couleur du poil. Ça, ça peut jouer un petit peu. L'alimentation a quand même un léger impact. S'il y a du carotène ou des choses comme ça. Est-ce que tu as d'autres exemples de caractères qualitatifs à nous proposer? Alors, les caractères qualitatifs, bah, c'est en fait tous les caractères qui vont être finalement liés à ce qu'on va rechercher en exposition. La longueur du poil, même si celui-là est mesurable, mais on ne va pas tellement le mesurer. La texture de poil, la couleur, la longueur d'un chanfrein, c'est tout ce qui va être en fait lié à la morphologie de l'animal, par exemple. D'accord. Et ces caractères qualitatifs, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle discontinus. C'est-à-dire que le chien, il a les yeux bleus ou il n'a pas les yeux bleus. D'accord. Il a des dents ou il n'a pas de dents. Mais on n'est pas dans un intermédiaire. Alors que dans les caractères quantitatifs, eh bien, la variation peut être continue. C'est-à-dire, il y a une part de génétique. Si je lui donne une alimentation de haute qualité, il y a une grosse production de lait. Si j'arrête cette alimentation de qualité, la production va diminuer. C'est-à-dire qu'elle va être variable. C'est-à-dire que le qualitatif, c'est un peu binaire. C'est il y a ou il n'y a pas. Voilà, c'est une donnée où il y en a ou il n'y en a pas. Il n'y en a pas, voilà. Alors que le quantitatif, c'est plus... D'accord. C'est quand... Ça va jouer. Comme c'est influencé par le milieu, ce que l'on va observer va peut-être effectivement se modifier. Alors, tout à l'heure, dans le phénotype, on avait parlé donc, que c'était l'ensemble des caractéristiques observables, mais il y avait aussi la partie... caractère de l'animal. Et quand je dis caractère, c'est comportement. Comportement de l'animal. Le comportement en tant que tel, dans son ensemble, ça se classifie plutôt comme un caractère quantitatif ou plutôt qualitatif? Alors, c'est là où c'est difficile, parce que le caractère est influencé évidemment par la génétique, mais il est influencé aussi par le milieu. D'accord, mais c'était par rapport à ton classement. Alors, je parlais pas forcément de là. Il est difficilement mesurable, le caractère du chien. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut pas, on n'a pas, pas une échelle de valeur. Oui, il est difficilement mesurable. Et puis ensuite, tout dépend un petit peu de ce qu'on veut faire, mais il n'a pas une importance économique, sauf cas de sélection spécifique. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui va être recherché dans les caractères quantitatifs, effectivement. Alors du coup. La question, c'est comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est héréditaire et quelle est la part du milieu. Comment on fait pour mesurer, comment on fait pour quantifier? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a des calculs? Alors, il n'y a pas beaucoup de calculs, mais par contre, effectivement, dans une population ou dans un caractère donné, il va falloir s'intéresser à est-ce qu'il y a une variabilité des performances qui sont présentes? Est-ce qu'il y a donc une variabilité phénotypique? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et dans la variabilité phénotypique, là, eh bien, en fait, il y a deux origines. Il y a le mécanisme d'addictivité des gènes, c'est-à-dire les gènes qui se cumulent entre eux. Et ça provoque une variabilité génétique, ce qu'on appelle additive. Et ensuite, il y a le milieu. Donc, il y a aussi une variation due au milieu. Okay. Donc, une partie génétique, une partie au milieu. Maintenant, il va falloir s'intéresser, ça va être un petit peu notre base de la discussion après, qu'est-ce qui est lié à la génétique, qu'est-ce qui est lié au milieu. Donc le sélectionneur, enfin l'éleveur, le sélectionneur, lui, ce qui va l'intéresser, c'est pas le milieu, c'est la variabilité génétique. Peut-être une part quand même, parce que c'est... Ah ben, pour la commercialisation, éventuellement. De la naissance jusqu'au départ des chiots, oui. L'impact du milieu a quand même une incidence. Voilà, là, je qualifierais plutôt la personne, à ce moment-là, d'éleveur. Mais, d'accord. Alors que là, on parlait du sélectionneur. Enfin, on joue sur les mots. D'accord, mais... donc là, on parle de... naissance en tant que telle du chiot avant... avant qu'il ait une expérience de vie. Voilà, c'est ça, le sélectionneur. À la naissance du chiot, son phénotype, c'est donc fortement lié à l'expression du génotype. C'est quasiment que du génotype.
Donc là, ce qu'il faut s'intéresser, effectivement, le sélectionneur, c'est-à-dire celui qui s'intéresse à la génétique, lui, il va s'intéresser qu'à la variabilité génétique. La variabilité qui est due au milieu, eh bien, comme elle n'est pas héréditaire, ça ne va pas tellement intéresser le sélectionneur. Alors, ça va intéresser l'éleveur pour la commercialisation. Parce qu'effectivement, entre la phase de 0-2 mois ou peut-être même avant dans la période intra-utérine, on va quand même conditionner le comportement futur de l'animal. C'est évident. Donc, ça veut dire... Est-ce que je peux donner un exemple assez précis, ça lance, on reviendra certainement après sur chaque chose, mais par exemple, donc, je suis éleveur, moi ce que j'aime, c'est par exemple les programmes comme le ring, des choses comme ça, donc je suis plutôt intéressé à sélectionner un étalon performant pour que mes chiots soient performants dans cette discipline-là. Voilà. Oui. Donc en fait, ce que tu nous dis, ce qui est intéressant lorsque je vois un chien concourir, c'est de voir... C'est de savoir qu'est-ce que je dois regarder pour repérer ce qui est héréditaire génétiquement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est là où c'est difficile, parce que je regarde un chien qui déroule son concours de ring 3. Et là, je vois qu'il cumule les points, il fait tout parfaitement. Et là, je me dis, ben, moi, je veux arriver à produire des chiens qui font ça. Donc, c'est là où c'est intéressant de savoir si... Est-ce que le champion de ring, le champion de France en ring, est-ce qu'il est bien utilisé ou pas? Ben voilà. Comment je peux le savoir, du coup? Et là, c'est là où c'est intéressant de pouvoir mesurer ce qu'on appelle, après, le coefficient d'héritabilité, c'est-à-dire ce que l'on voit ici, quels sont les caractères qui sont héréditaires, qui ont des chances de se renouveler de génération en génération, et qu'est-ce qui est lié au milieu. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il faut avoir comme raisonnement. Donc, pour prendre des exemples sur le ring, on peut peut-être effectivement se poser la question, je vois mon chien, je suis néophyte, je vois un chien, il est couché, son maître va se cacher, il y a quelqu'un qui lui lance 3 morceaux de viande et le chien ne mange pas la viande. C'est ce qui s'appelle le refus d'appât. Donc là, moi, je me dis, ah, je voudrais trop avoir des chiots qui soient capables de faire ça. Il faut que je me pose la question, c'est ce chien a très bien fait le refus d'appât, est-ce que les chiots issus de sa descendance vont le faire? Ou est-ce que, naturellement, ils iront manger la viande, mais je vais leur apprendre à ne pas le faire, c'est-à-dire je vais exercer une influence sur le milieu qui les amènera à réussir l'exercice du refus d'appât. Donc celui qui a 10 sur 10 au refus d'appât... Donc, clairement, si... Je pense que la réponse est un peu... Clairement, le refus d'appât, il a un coefficient d'héritabilité, on va le définir tout de suite après, mais il a un coefficient d'héritabilité de 0, c'est-à-dire que c'est lié qu'au milieu. Et non pas c'est-à-dire à la que naturellement, un chiot, il va manger de la viande. Évidemment. Il va manger, il va manger. C'est ça. Donc en fait, ce n'est purement que l'action humaine, donc, l'influence du milieu qui apprend à l'animal à faire ça. Bien donc sûr. Clairement, si vous regardez un programme de ring, ne regardez pas le refus d'appât pour savoir si vous allez devoir utiliser ou pas cet étalon, puisque ça, qu'il le réussisse ou qu'il ne le réussisse pas, ça n'interviendra pas dans sa... Ces chiots n'auront pas du tout... Et alors ça, c'est là où c'est assez difficile en élevage canin. C'est qu'on a finalement très peu de données sur des choses comme ça. Est-ce que c'est héréditaire, pas héréditaire? Alors après, le bon sens va l'emporter, puisqu'on a quand même bien des connaissances et on est capable d'interpréter en se disant, est-ce que ça, c'est lié à la génétique? Est-ce que c'est lié au milieu? Il y a des choses qui sont un peu liées à la génétique et d'autres qui sont complètement liées au milieu. Donc, la suite en laisse, par exemple, on sait que ça n'a très peu d'influence au niveau de la génétique. C'est essentiellement lié au fait que le conducteur lui a appris à marcher en laisse et au pied. Et d'ailleurs, la marche en laisse de ring, on voit bien qu'elle est aussi totalement artificielle. Parce que s'il déborde de 2 cm, on perd des points. S'il est juste pas à côté, il perd des points. S'il est trop collé, il perd des points. C'est purement artificiel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la génétique. D'autant que, en plus, la méthode, j'allais dire de scorisation, mais la méthode de noter, elle est totalement subjective. Là, puisque plus, c'est l'œil humain qui va juger. Voilà. C'est même pas une donnée scientifique qui va nous donner soit une performance pure, soit un tour de, je sais pas, un tour de cuisse, pour le une coup, quantité c'est pas de nez, des choses comme ça. Là, on ne peut vraiment pas le mesurer. Donc, c'est très, très difficile. Quoi. Donc, il faut essayer de déterminer effectivement tout ça. Alors ça se mesure par un coefficient. Il y a des données qui existent. Alors en chien, il n'y en a malheureusement pas beaucoup, mais
le coefficient qu'on appelle le coefficient d'héritabilité, qu'on va appeler H2. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce coefficient d'héritabilité ? On va regarder la variabilité génétique additive, c'est-à-dire l'addition des gènes. On regarde ça et on va le mesurer par rapport à la variabilité phénotypique. La variabilité phénotypique, c'est ce qui est lié au milieu. C'est ce que l'on observe sur l'animal, en fait. Donc là, il faut se poser la question, est-ce que c'est lié à la génétique ? Est-ce que c'est lié au milieu et par rapport au phénotype, c'est-à-dire ce que je vois sur mon chien, tout simplement. D'accord. Alors, l'héritabilité, bien, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va s'exprimer, on la mesure soit en pourcentage ou soit avec un coefficient. Ce coefficient, il se mesure entre 0 et 1 ou entre 0 et 100%, peu importe. Okay. Donc, c'est la même chose, en fait. Ouais. Donc, si, par exemple, on prend un caractère, un coefficient d'héritabilité qui est de, par exemple, 0,40 ou 40%, eh bien, dire qu'un caractère a une héritabilité de 0,40, ça veut dire que 40% de la variabilité des performances est d'origine génétique. Et ça veut dire que, à contrario, 60% est lié au milieu. À l'influence du milieu. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est à partir de combien on peut commencer à se dire « il faut que je sélectionne ». C'est ce que j'allais te demander, justement. Quel est le niveau de coefficient où ça devient intéressant de se pencher en tant que sélectionneur ? C'est ça. Et ben, à partir du moment où on arrive à un coefficient de 0,5 ou de 50%, là, on peut commencer à se dire que ça commence à être intéressant D'accord. de jouer aussi sur la valeur génotypique. En dessous, D'accord. on peut se poser des questions. D'accord. En dessous de 0,5, c'est pas... il y a trop d'influence du milieu pour avoir... Alors, si on est à 0,4, on peut encore, il y a quand même un petit peu quand même. Mais effectivement, en dessous, le milieu a une influence telle que la variabilité du phénotype pourra s'améliorer par le génotype, mais il vous faudra peut-être 40 ans. D'accord. Parce que c'est, comme c'est très peu héréditaire, il faudra répéter beaucoup ce caractère héréditaire pour le voir s'exprimer dans le phénotype. Mais du coup, je me pose toujours la même question, mais comment on le définit, ce coefficient ? Parce qu'en fait, à chaque fois, on dit que c'est une question d'équilibre entre les deux, mais qui va nous dire comment on va le déterminer, ça ? Ben, oui, alors là, évidemment, c'est là où en élevage canin, que le bât blesse, parce que en fait, tous ces critères se sont faits sur les animaux de rente. D'accord. C'est-à-dire que là, chez les animaux de rente, on a ce qu'on appelle des index, c'est-à-dire que là, on va prendre des mâles et on va les faire se reproduire avec 1000 vaches. Oui, ils ont la quantité en et plus. Oui. Et l'avantage en élevage de rente, c'est que tu vas prendre un taureau et il est ce qu'on appelle indexé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il apporte telle qualité génétique. D'accord. Mais parce que on l'a... Et puis il va peut-être couvrir suffisamment de... Avec des paillettes, on a inséminé 1000 femelles. Et ensuite, on a observé les descendants. Et quand ils ne conviennent pas, l'avantage, c'est qu'on les met à l'abattoir. Et quand ils conviennent, on voit que c'est dû à la valeur génotypique. Là, tu vas nous perdre les végans. En élevage canin, juste ne pas reproduire, vous inquiétez pas, les végans et tout ça, ne vous inquiétez pas, il risque rien le taureau, il risque rien. En élevage canin, bah ça c'est des choses qui sont difficiles parce qu'on peut pas prendre un mâle et le faire reproduire sur 200 femelles pour observer les descendants, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Et inversement, si le coefficient d'héritabilité est très important, eh bien, il est plus facile d'observer les individus qui ont une forte valeur génétique. Donc, si vous avez des coefficients d'héritabilité à 60-70%, ça veut dire que c'est essentiellement lié à la génétique et très peu au milieu. Donc ça, ces individus-là, vous pouvez les prendre pour faire de la reproduction, puisque vous savez qu'en quelque sorte, ils vont un petit peu photocopier, c'est peut-être un peu exagéré, mais ils vont reproduire ces caractères dans la descendance. Donc, par exemple, le coefficient d'héréditabilité du refus d'appât, il est zéro. Oui, donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut surtout pas prendre un chien sous prétexte qu'il a une bête suite en laisse et un bon refus d'appât, le prendre comme géniteur. Mm-hmm. Parce que comme c'est lié à 90 ou 95% au milieu... Ça ne l'empêche pas, pourquoi pas, d'être un bon géniteur, mais il y a très peu de... Mais pas sur ce critère-là, en tout cas. Mais il y a très peu de raisons scientifiques qui puissent le transmettre. Voilà. En fait. Donc, effectivement, quand vous jouez sur des caractères
qui sont liées à la morphologie, par exemple, il y a très peu d'influence du milieu. Donc, si je veux sélectionner des chiens pour aller gagner en exposition, j'ai tout intérêt à jouer effectivement sur la génétique, puisque c'est purement héréditaire. La couleur des yeux, la longueur du chanfrein, la hauteur au garrot, c'est très peu conditionné par le milieu. Est-ce que c'est purement génétique. Du coup, j'ai une question. Parce qu'on dit que c'est purement génétique. Donc, il va le transmettre, mais en général, il est marié à un partenaire. Alors, après, c'est ce qu'on appelle l'additivité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une addition des gènes. Et après, il y a une notion de corrélation. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas parce que vous prenez un beau mâle et une belle femelle qu'il y aura des beaux chiots. Il faut que les gènes s'additionnent. Et c'est là où c'est la difficulté. C'est là où ça fait mal, en fait. Alors, je reprends souvent un peu cet exemple. Mon chien, encore une fois, je prends le chien d'expo parce que c'est plus simple, parce que c'est des caractères qui sont héréditaires. Mon chien d'exposition, là, je vais en exposition demain, je vois un chien, il est parfait, presque proche du standard. Donc là, je me dis, si je pouvais seulement produire des chiots comme ça, ce serait formidable. La question, c'est, je reprends ce que j'avais dit un peu tout à l'heure, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'il est beau parce que c'est complètement le fruit du hasard? C'est-à-dire, j'ai joué au loto et j'ai coché 6 numéros et ces 6 numéros, ils sont arrivés, donc j'ai gagné au loto. Là, c'est pareil, j'ai fait un croisement, un chien, une chienne. Il y a eu un mélange des gènes et ce chien, il est devenu parfait. Mais la question, c'est, est-ce que c'est le fruit du hasard? C'est complètement aléatoire ou est-ce que ça a été travaillé? Donc, si c'est le fruit du hasard, eh bien, quand je vais le faire reproduire, comme les gènes sont complètement dilués et qu'en fait, c'est parce qu'ils se sont additionnés comme ça au hasard, au gré de la reproduction, ben, quand je vais faire reproduire ce mâle, je vais être très déçu parce qu'il ne va pas ce qu'on pourrait appeler tracer dans la descendance, puisque c'est complètement le fruit du hasard. Si je joue 5 fois au loto, je vais gagner une fois, mais les 4 autres fois, je ne gagnerai jamais, puisque c'est le fruit du hasard. Donc, vous voyez, c'est un peu la même chose. Donc, alors, du coup, ton chien d'expo, qui est beau en exposition, donc vraisemblablement, c'est quand même hérédité. Lui, il l'a reçu. Il l'a reçu, mais est-ce qu'il l'a reçu parce que les gènes étaient à l'état homozygote, c'est-à-dire qu'ils étaient fixés? Ou est-ce que effectivement, il est formidable, il a des beaux gènes, mais parce que les gènes se sont additionnés au hasard, mais comme ils sont tous ce qu'on appelle hétérozygotes, c'est-à-dire que les gènes ne sont pas situés au niveau des allèles au même endroit, ben en fait, vous redistribuez les cartes quand vous allez le faire reproduire. Et vous avez peu de chances que l'individu reproduise les mêmes qualités que lui. Du coup, comment on va procéder? C'est peut-être ça la question. Sur mon chien d'expo. Chien d'expo qui est bon. On sait que du coup, puisque ce sont des caractéristiques dont le génotype a le plus d'influence, comment peut-on trouver le meilleur partenaire, la meilleure partenaire, nous on est ouvert à tout, la meilleure partenaire pour lui, pour que justement il puisse exprimer ses qualités dans sa descendance? Alors, il faut peut-être déjà aller fouiller un petit peu sur l'animal. C'est-à-dire, cet animal, quelle ascendance il a? C'est-à-dire, est-ce que ses parents, ses grands-parents, avaient déjà les mêmes qualités? Ou est-ce que c'est le pur fruit du hasard? Mon chien qui fait le CACS au championnat de France la semaine dernière à Dijon, est-ce que ses 8 frères et sœurs sont confirmables? On peut imaginer que le chien qui a fait le CACS au championnat de France à Dijon le week-end dernier, on regarde ses 7 frères et sœurs, les 7 frères et sœurs ne sont pas confirmables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le génotype de ces chiens laisse à penser que le phénotype a été formidable, mais génotypiquement, c'était complètement du hasard. C'est lié au hasard. Je serais tenté de surtout pas utiliser ce champion de France. D'accord. Parce que ces collatéraux qui ont à peu près le même génome, bah on voit que ça ne s'est pas exprimé dans le phénotype. Donc ça veut dire que même sans parler de l'influence du milieu, donc sur des caractéristiques observables comme ça, mais issues du génome, en plus, ça peut être dû au hasard. Ben oui. Ce génome-là peut être bon parce que, justement, lui, dans le brassage des gènes, il a hérédité de quelque chose de très bien, mais par contre,
c'était tellement dilué dans c'est ça, ouais. les autres combinaisons génétiques de ses frères et sœurs n'ont pas du tout donné ça, quoi. Alors après, on peut aller sur une autre ouverture, c'est aussi regarder son coefficient de consanguinité. Donc après, la consanguinité, on ne va peut-être pas aborder ça ce soir, mais ce que je veux dire, c'est que la consanguinité, c'est on va observer en fait le nombre de gènes qui sont homozygotes. C'est le degré de confiance qu'on peut apporter à un chien. Donc effectivement, quand il a un pourcentage de consanguinité, on peut penser qu'il a beaucoup de gènes homozygotes et que par conséquent, il va avoir tendance à retransmettre les mêmes caractères. Peut-être juste, parce qu'on a peut-être quand même des personnes qui sont un petit peu néophytes, peut-être juste réexpliquer que les chromosomes sont par paire, ouais, et que dans les gamètes, en fait, le mâle et la femelle ne transmettent qu'un seul. Alors, oui, ce qu'il faut prendre en compte et aussi... Et donc, c'est l'addition... En fait, on a deux chez le mâle, deux chez la femelle, mais dans les gamètes, il n'y en a plus qu'un. Et qui vont se remettre ensemble. Exactement, ouais. Pour former deux, une autre paire, pour le descendant. Quoi. Alors, c'est là quand on parle de croisement mâle et femelle, en fait. Voilà. Et ce qui veut dire... voilà. Et ce qui veut dire aussi, parce que souvent en élevage canin, quand vous voyez des publicités, avant le chiot issu, chien ring 3, ok. D'accord, mais ce chien en ring 3, pourquoi il est en ring 3? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Enfin, du hasard, c'est jamais le fruit du hasard, mais qui l'a mis en ring 3? Si c'est moi qui ne suis pas très performant, ça veut peut-être dire que le chien n'est pas mauvais. Si c'est... Bernard Boutonnet, si c'est un autre, il y a quand même une influence du milieu qui va faire que les deux chiens sont ring 3, mais peut-être pas tout à fait pour la même raison. Oui, il y en a un, le dresseur était peut-être plus performant, donc l'influence du milieu a mis en valeur un animal, alors que l'autre, c'est peut-être juste l'expression de ses qualités qui l'ont amené au même niveau. Et la qualité du dresseur a peut-être masqué des défauts que moi, je n'aurais sans doute pas su masquer et il serait ressorti quand je vais au concours avec mon chien. Mmh. Donc, ça, déjà, se poser la question. Donc là, du coup, tu nous disais, ce qui est intéressant, c'est de voir les parents, connaître les parents derrière. Mmh. Est-ce qu'eux-mêmes ont pratiqué cette discipline-là, par exemple, ouais. Est-ce qu'ils ont été performants, mais aussi les collatéraux. Et puis, pour revenir à ce qu'on évoquait, avant, chiot issu du père champion ring 3, etc., d'accord, mais le père qui est en ring 3, il a apporté 50% du patrimoine génétique. Et la mère dans tout ça, qu'est-ce qu'elle a? Elle a 50% du patrimoine génétique aussi, donc il ne faut pas l'occulter dans votre réflexion de sélection. Et j'allais dire, scientifiquement, c'est bien 50-50, mais on pourrait rajouter même un pourcentage, parce que la mère, elle va conditionner aussi le comportement de 0 ou de même exactement. Un petit peu avant, de 0 à 2 mois. In utero, à mon sens. Même in utero, on l'a mis en évidence dans la phase intra-utérine à partir de 35 jours de gestation. On a mis en évidence une notion d'induction de préférence alimentaire, une notion de réaction émotionnelle et une stimulation tactile. Et ça, ça se fait avant même la naissance. Donc c'est toujours extrêmement les important. Femelles, c'est la base élevage. Ben toujours, oui. Ce sont les fondations. Donc elles comptent pour 50%. Sélectionne les femelles. Plus que les mâles. Ben oui. Donc, en tout cas, elles ont 50% voilà. Du patrimoine chez les mâles. Donc, ça, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi déjà là-dessus. Bien dire, c'est scientifique. Ah oui, génétiquement, 50% le mâle, 50% la femelle. Pas plus. Et moi, j'aurais du coup tendance à dire le mâle, il vient juste pour amener sa génétique et rien d'autre. Mais oui. C'est pour ça que la femelle a aussi son importance. Voilà. Bien plus d'importance que le mâle, oui. Parce que. Elle apporte plus que sa génétique. Alors, c'est par exemple l'exemple d'une femelle qui a, par exemple, été hypostimulée pendant toute la période de socialisation. Donc, typiquement, ce que les Anglais appellent le syndrome du kennel. C'est-à-dire, la chienne, elle est restée en chenil et elle n'a jamais rien vu. Donc, quand vous rentrez dans le chenil, elle se sauve en courant, elle a la queue entre les pattes et elle fuit au fond du chenil. Vous la prenez et vous la faites faire des petits. Les chiots, par imitation, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'âge d'un mois et demi quand un humain rentre? Ils ont le même comportement que la mère, par imitation. Donc, effectivement, sur une femelle qui serait peureuse comme ça, ce qu'il faudrait, c'est l'enlever dès la naissance de sa mère et la mettre avec des femelles équilibrées. Juste ne pas la faire reproduire, c'est bien. Oui, non, mais évidemment. Mais pour montrer l'influence du milieu de 0 à 2 mois, évidemment, mais l'influence du milieu à 0 à 2 mois,
c'est la mettre avec une autre femelle et on verrait que par imitation, l'influence du milieu serait masquée à ce moment-là. Mais évidemment, pas faire la reproduire, ça paraît une évidence. J'en profite pour glisser, je ne vais pas dire un message personnel, mais un point de vue personnel lié à l'élevage, parce que je fais un petit peu d'élevage. Et du coup, j'ai souvent les gens qui me disent bah alors vos femelles, elles travaillent, elles sont en trois, qu'est-ce qu'elles font ? J'ai dit c'est des bonnes mères. En fait, parce que, qu'elles soient championnes, on a une chienne qui s'appelle Extra, qui a été championne du monde en monduring, les chiots n'étaient pas meilleurs que d'autres chiennes de l'élevage qui n'ont rien fait, entre guillemets, pas de titre, pas de performance. Ah ben, c'est-à-dire que Extra a été championne du monde parce qu'elle a été au championnat du monde. Et oui. La chienne qui est restée dans le chenil, évidemment, elle ne peut pas être championne du monde puisqu'elle n'a pas participé. Alors, il y a ça, mais... Donc, c'est bien l'effet du milieu. Voilà, exactement. C'est vraiment... Comme c'est typiquement un effet du milieu, c'est parce qu'en tant qu'éleveur-sélectionneur... C'est parce que nos chiennes d'élevage vont apporter aux chiots que nos clients, les futurs propriétaires, vont prendre en main ensuite. La mère, c'est pas parce qu'elle sait faire une super défense de monduring que les chiots, lorsque les clients vont prendre les chiots, ça y est, ils ont la défense inclinante. Bah pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien lié au milieu. Donc ça permet juste... à la limite de savoir que la chienne en est capable. Donc ça, c'est quand même, par rapport à ce qu'on disait sur l'observation des collatéraux, des parents, plus les parents et collatéraux sont capables de performer dans une discipline, plus il y a de chances que les descendants le fassent. Mais ce n'est pas une garantie, parce que ce n'est qu'une influence du milieu, dans 80-90% des cas. Et moi, j'irais même plus loin, c'est qu'une chienne qui travaille... C'est une chienne qui est soumise au stress, qui est soumise à beaucoup de paramètres qui peuvent être néfastes en plus pour la maternité en tant que telle, mais un chien stressé ou un peu anxieux, c'est pas du tout bon pour les chiots. Et là, par contre, elle peut retransmettre des choses pas terribles. D'autant plus que c'est une chienne qui va aller au terrain d'entraînement 3 fois par semaine, qui va se dépenser, qui va... Et puis là, elle se retrouve dans une maternité... évidemment, a pu faire de sport comme elle le faisait avant, et ça peut induire du stress. Donc, d'autant plus, effectivement, sur des femelles sportives. Quoi. Les chiennes qui travaillent, c'est très bien. Moi, je pense que c'est bien. Surtout pour l'éleveur, ça lui permet de savoir si sa chienne a des qualités aussi qui s'expriment. Mais les titres et tout ça, c'est quand même que marketing. Quoi. Alors, le problème des... Alors, que ce soit, effectivement, au travail, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai qu'en exposition, parce que, bon, en exposition, j'allais dire que ce soit moi ou le handler qui présente, si le juge, il fait son boulot, lui, il ne va pas s'occuper j'ai bien fait courir le chien aux allures ou pas. Lui, il va regarder simplement, est-ce que le chien, il a des bonnes allures, est-ce qu'il a des bons aplombs, est-ce qu'il a une bonne ligne de dos, une bonne sortie d'encolure, etc. Donc, lui, il va s'intéresser que à la conformité aux standards. Alors que sur le travail, ça va être un petit peu moins vrai parce qu'effectivement, il va y avoir aussi la conduite qui va jouer un petit peu par rapport à ça. Sur la notation. Hein. Mais effectivement, les titres, il ne faut pas vraiment s'en préoccuper. Mon chien est champion international de beauté. Ok. Qu'est-ce qu'il a gagné comme exposition ? Alors là, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais il a été faire le CACIB à Gibraltar. Il a été faire le CACIB en Bulgarie. Il était faire le CACIB en Uruguay. Et là, quand il est arrivé en Uruguay, le juge d'exposition, il a vu le chien, il a dit « S'il vous plaît, dites-moi, c'est quoi comme race de chien ?»« Ah oui, c'est ça comme race, d'accord. » »« Alors, attendez, il faut que je regarde un petit peu le standard. »« D'accord, oui. » »« Bah oui, non, parce que comme c'est un chien français et que nous, en Uruguay, j'en avais vu 2 déjà. » Ben oui, mais bon, si le chien il est venu de France en Uruguay, c'est que ça doit être un beau chien. Voilà. Donc, je vais lui mettre le CACIB. Et puis peut-être que si je mets le CACIB, je serais peut-être invité en France pour juger l'exposition. Voilà, bon, on est sur le côté subjectif. Voilà. Subjectivité mais, des notations. Voilà. Alors que au travail, ça peut être un petit peu vrai, mais enfin, il y a un moment donné, le chien. Soit il s'est sauvé au bâton, soit il ne s'est pas sauvé. On lui mettra peut-être un demi-point de plus ou un demi-point de moins, mais le chien qui est champion de France, il aura globalement fait tous les exercices. Quoi. Donc. Les titres de champion, il faut quand même s'en méfier, effectivement. Dans quelles conditions on les a obtenus. Alors,
peut-être plus pour les conformités aux standards, mais et puis après, tout dépend aussi des disciplines. Hein. Alors en ring, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai, mais en mondial ring, je suis champion du monde. Bah oui, parce que ce jour-là, mon chien a fait la défense. J'ai eu de la chance, il est passé le matin, il y avait un peu de vent, ça lui a amené les molécules pour qu'il fasse la recherche. Et le chien, qui était sans doute meilleur, bah lui, il n'a pas eu les molécules qui sont, donc il a zéro à la recherche. Ce jour-là, il n'est pas champion du monde, mais le titre de champion du monde, on sait bien qu'il est quand même assez aléatoire. Alors après, il faut quand même un chien qui ait évidemment une bonne prise en gueule, qui soit courageux, qui saute, ça c'est évident. Voilà, mais, donc en fait, un sélectionneur doit avoir un regard, une grille de lecture par rapport à un programme de sélection et à lui de faire la différence entre... ce qui est lié à l'influence du milieu, donc le dressage, la notation du juge, les circonstances, des conditions qui entourent la performance, ou être capable de regarder la performance en tant que telle. Si on prend les sauts, par exemple, en fait, on peut très bien avoir 0 à un saut, mais le chien saute parfaitement bien. Oui. C'est ce regard-là qui est très intéressant pour un sélectionneur. Et du coup, ça me fait penser que j'ai vu dans tes petites notes, là, parce qu'en fait c'est caché, vous ne pouvez pas le voir, mais dans les petites notes à François, tu as des exemples d'exercices avec des coefficients d'héritabilité. Oui, d'héritabilité. Ouais, tu m'y rites, coefficient d'héritabilité, c'est comme ça qu'on l'évoque. Ouais. Il est trop tard. Alors, ou j'ai pas assez bu, ça dépend. Donc, c'est là où c'est compliqué parce que, vous voyez, par exemple, mais ça, enfin, tout le monde connaît, ou beaucoup de monde, il y a eu très peu d'études. Il y a eu une étude qui a été faite sur l'héritabilité pour différentes qualités de concours en ring, en berger belge malinois. Donc, c'est une étude qui a été faite comme ça. Donc, effectivement, par exemple, suite en laisse, coefficient d'héritabilité, 0,03. 3%. C'est-à-dire que... Ils ont quand même trouvé qu'il y avait un petit gène qui avait peut-être ouais, été... C'est compliqué, mais c'est peut-être le fait qu'il accepte à l'aise plus naturellement que d'autres, ou qu'il soit un peu plus proche du propriétaire, peut-être plus naturellement, mais vous voyez bien que c'est purement lié au milieu. Ouais, et je vais vous donner, une idée pour savoir si c'est héréditaire ou pas les exercices. Vous prenez un chien que vous pensez absolument pas capable, enfin une race de chien que l'on ne voit jamais, qui est parfaite pour ça, et on se demande est-ce qu'il est capable de le faire ou pas. Je dis n'importe quoi, vous prenez un petit caniche, un n'importe quel petit chien comme ça, et vous dites est-ce qu'un petit caniche pourrait faire une suite en laisse? Bah ouais, parce que c'est que de l'éducation, de l'entraînement, c'est lié au milieu. Voilà. Est-ce qu'il est capable de faire une attaque de face au bâton? Voilà, déjà, ça va être déjà plus compliqué. Donc là, on peut se dire il n'y a pas qu'une question de milieu. Parce que pourtant, moi, je m'entraîne souvent, hein, tous les jours, et depuis qu'il est chaud, mon caniche, j'y vais. Est-ce qu'il est capable de faire une attaque de face? Là, déjà, vous voyez, moi, je pense que ça peut être déjà des petites idées pour se dire si le caractère est héréditaire ou simplement lié au milieu. Quoi. Donc après, bah, effectivement, alors, défense du conducteur, coefficient d'héritabilité, 0. Eh ben, c'est là où j'ai du mal à comprendre, alors, par contre. Tout dépend. Là, on parle de concours en ring. Alors, on sait bien... Je pense que c'est lié à la notation tant que telle. C'est purement la défense de ring. C'est-à-dire que, naturellement, le chien, quand on dit bonjour, au revoir, il ne va pas reculer naturellement. Et on voit bien que le chien, il ne va pas mordre trop vite ou il ne va pas mordre trop doucement pour pas avoir des tares à mort. Mais ça, c'est lié... qu'au milieu. C'est, je pense, pour ça qu'ils mettent 0 là-dessus. Je pense surtout que, déjà, on n'a pas beaucoup d'études, mais que ceux qui font des études comme ça, comme ils connaissent pas le sport, comme ils n'y connaissent rien, ils se basent que sur un critère de notation pure. Bah oui. Parce que, pour moi, il y a forcément une part de génotype et donc d'héréditabilité, parce que tous les chiens ne sont pas capables de mordre. Alors, ouais, donc mais, forcément, déjà, ça a un impact. Alors effectivement, l'héritabilité, ce serait peut-être par exemple sur la défense, ce serait un autre critère, c'est-à-dire est-ce qu'il est courageux, est-ce qu'il n'est pas courageux. Et là, c'est ce qu'il note sur l'attaque. Mais voilà, c'est pour ça, parce que la défense du conducteur, en fait, là, je ne pense pas qu'il mesurait est-ce qu'il est courageux pour aller. Est-ce qu'il est capable de reculer et puis d'attendre, de bien entendre le claque pour mordre. Mais même s'il fait ça, et c'est de la... Oui, mais... Même être capable d'entendre le clap pour aller mordre, mais même ça, à mon avis,
ça ne se dresse pas complètement. Le fait de mordre au clap, parce que certains chiens n'en sont pas capables du tout, et c'est là où, pour moi, quand même, l'hérédité a quand même son importance, et ça... Et c'est pour ça que nos disciplines et notre espèce canine, y a des limites par rapport aux études scientifiques et qu'on est obligé un petit peu de se référer à nos propres expériences, aux anciens, à ceux qui pratiquent et qui ont le recul et l'expérience. Donc on est plutôt sur de l'empirisme pour savoir si c'est héréditaire ou pas. Effectivement, le fait de reculer ou pas une défense, je suis d'accord avec toi, ça c'est purement de l'apprentissage. Mais je suis désolé, être capable, justement, à l'agression de mort, là, il y a une part d'hérédité. Parce que l'action de saisir et maintenir... dans la note, malgré tout, parce qu'il notait, il faisait que de la note, malgré tout, dans la note, il y a quand même la partie saisie pendant 10 secondes ou 15 secondes. Donc, ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais ça, je pense qu'il le notait pas sur, justement, non, sur ses coefficients. C'est-à-dire, il notait, est-ce que le chien est capable d'être sage et qu'il attende, qu'il recule. Après, effectivement, il y a des choses qui sont un peu beaucoup plus héréditaires. Et là, quand on discute avec des éleveurs, des sélectionneurs, des dresseurs, c'est par exemple la prise en gueule, l'appréhension du chien. Ça, c'est quelque chose qui, sur les dresseurs ou les éleveurs, est fortement apprécié. Le chien qui va mordre fond de gueule, le chien qui va avoir une stabilité de mordant. Ça, c'est des choses qui sont appréciées. Par expérience, mais, effectivement. Voilà. La profondeur de prise, par exemple, sans même parler de la façon d'attraper, mais la profondeur de prise, un mi-gueule ou un fond de gueule, il y a quand même une grande part d'hérédité. Ah ben voilà, et c'est pour ça qu'on en parle, quand les éleveurs en parlent. Bien sûr. L'éleveur ne va pas te dire « Oh, mon chien, il a fait une défense du maître formidable, il n'a pas mordu avant, après. » Par contre, il va dire « Mon chiot de 2 mois, il mord déjà fond de gueule, il grogne pas, il a une stabilité. » Là, on va te parler de datavisme. Oui, de datavisme ou d'héritabilité, si on veut. Atavisme, c'est peu dans le sens... D'un point de vue vocabulaire, atavisme, qu'est-ce que ça veut dire? L'atavisme, c'est en fait ses qualités... ancestrale ou génétique un petit peu quand même. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de le faire naturellement? Est-ce que c'est lié aussi à la sélection dans une race? Un chien de troupeau a un atavisme. Mm-hmm. Donc ça, c'est quand même lié essentiellement aussi à la génétique. Parce que moi, j'ai toujours entendu, et je le dis également, que justement, c'est ce que nous, on recherche en tant qu'éleveurs, c'est l'atavisme, la façon, ne serait-ce que de prendre un rapport d'objet, tous les chiens ne le prennent pas de la même façon, et en fonction des lignées, on travaille vraiment sur une façon de faire, la prise en bouche, on parlait de la prise en bouche, mais même sur une entrée d'attaque, les chiens qui percutent, les chiens qui poussent, tout ça ne s'apprend. Ça s'apprend, il y a des techniques, mais quelque part, et c'est ce que l'on recherche, puisqu'on cherche de la compétition de haut niveau, donc on cherche à avoir un maximum d'aptitudes naturelles. Je dirais pas naturelles, innées. En fait, ce sont des aptitudes innées qui sont pas forcément naturelles parce que c'est issu d'une sélection de l'éleveur. Donc c'est certes dans les gènes. Donc c'est là où on pourrait dire que c'est naturel, mais c'est pas naturel parce que c'est l'action humaine du croisement et pas quelque chose ancestral qui découle comme ça du fruit du hasard et de la sélection naturelle. C'est l'homme qui a sélectionné les animaux. Mais très clairement, l'atavisme, c'est ce que l'on recherche quand on est éleveur. C'est ce que l'on recherche pour que le chiot ait un maximum d'aptitudes innées qui le mettent dans les meilleures dispositions pour performer dans un domaine. Et on le voit bien, hein, entre un programme français et un programme belge, par exemple, pas du tout les mêmes, mais la sélection de départ n'est pas du tout la même. Le meilleur chien français ne performerait sans doute pas dans un programme belge et inversement. C'est te dirait qu'on analyse un chien sur son programme de sélection. Et c'est comme ça. Et là, ça va encore plus loin. Enfin, ça, c'est vrai dans toutes les disciplines. C'est-à-dire, est-ce que nos programmes sportifs, on va dire, sont le reflet de ce que doit être la sélection du chien? Je prends... Alors ça, c'est encore un débat. On pourrait faire une soirée encore là-dessus. Ils n'en ont pas voulu. parce que là, tu pars sur l'hypertype. Non, pas l'hypertype. Oui, c'est une forme d'hypertype. Une hypersélection dans un domaine. Oui, c'est ça. On part sur un autre sujet. Mais ce serait intéressant parce qu'en fait, les disciplines sportives
parfois vont complètement à l'encontre de la sélection de, des choses pratiques. Hein. Bon, là, là c'est le pur et dur qui parle. Le sport ne sélectionne pas. Non, c'est les programmes qui sélectionnent. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus quasiment que des sports, donc on ne sélectionne plus rien. C'est, voilà, c'est, tout, c'est vrai, bon, dans nos sports demandants, mais je prends par exemple les chiens de chasse. C'est pas vrai sur les chiens courants, et encore que, mais sur les chiens d'arrêt, par exemple, mm-hmm. quand vous allez au championnat d'Europe de grande quête, vous n'avez d'abord que les pointeres. Il n'y a pas d'espagnol breton, il n'y a pas de cortal. Pourtant, ces chiens-là, le chasseur du dimanche, il l'utilise énormément. Il le trouve très performant, l'espagnol breton. Mm-hmm. Mais le championnat de grande quête, on va lui demander de faire des lacets de 300 mètres de long à vitesse impressionnante. On va lui demander de marquer l'arrêt dans la seconde. Mais le chasseur du dimanche, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Oui, bah, comme le ring. Comme le ring. C'est la même chose. Hein. Après, il y a aussi des sports ou des programmes qui ont été créés par une race, entre guillemets. C'est pour ça aussi que c'est plus difficile aux autres races d'y performer, parce que déjà, à l'origine, y a un petit mélange entre le programme et la race, puisque qui de l'œuf ou de la poule a créé l'un ou l'autre. Ça peut expliquer aussi pourquoi, des fois, certaines races sont plus performantes sur un programme que d'autres, et parce que, quelque part, c'est cette race-là qui a créé le programme aussi. Oui, puis, oui. Disons que les passionnés de cette race-là, quand ils se sont rencontrés, ils ont créé un programme comme ça pour être encore plus performants. Ben oui, et puis il y a le phénomène aussi, s'il faut telle race pour gagner, je ne prends que cette race-là. Donc, effectivement, aujourd'hui, si je veux être champion de France de chien de troupeau, je ne vais pas prendre un bosson, quoi. Je vais prendre un border collie. Si je veux être champion de France de ring... prendre un bosseron ou un boxeur, vaut mieux que je prenne un malinois. Et le fait qu'il y ait un grand effectif d'une même race va contribuer aussi à ce que cette race soit évidemment plus souvent championne. Ça, c'est aussi, D'un point de vue statistique, mais aussi d'un point de vue pool génétique. Bah, évidemment, aussi. Parce qu'il faut aussi un pool génétique suffisamment important. Ça, ouais. Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour une première fois. Parce qu'on avait dit combien ? Ouais, mais parce que. T'as pas vu le temps. On discute. Là, tu vois pas le temps. Tu sais combien de temps. Ah, si, tu vois l'écrit sur l'écran. Pardon, hop là, j'ai mis devant. Là, on est presque à une heure quand même. Ah ouais, parce qu'on a discuté. Ça devait être un petit quart d'heure avant de passer aux questions-réponses. Les bases, on les a un peu évoquées sur le génotype, le phénotype, les caractères qualitatifs, quantitatifs, définition de l'héritabilité. Puis après, on est parti dans de la discussion. Et c'est là, peut-être, qu'on peut. Vous pouvez nous rejoindre, effectivement. Déjà nous dire quelles sont toutes les conneries qu'on a racontées. Ah ouais, bah je pense que Jean-Mi va tout de suite nous dire bah non, ça c'est pas ça. Ce qui est très intéressant justement, Jean-Mi, c'est le côté empirique, c'est-à-dire l'expérience, la connaissance des anciens. C'est ça qui est intéressant de voir justement par rapport à certaines études scientifiques. Arriver à démêler le vrai du faux, qu'est-ce qui est purement héréditaire, qu'est-ce qui est vraiment que l'influence du milieu, c'est ça qui est intéressant, justement. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à la séance de questions-réponses. Et là, j'ai un petit sous-sail, c'est que je vois pas le... Non, c'est sur le chat, c'est chat en direct, les questions-réponses. Vos expériences. Vos expériences. Ça peut aussi se déplacer sur d'autres sujets. Votre vécu... Et là, pourquoi que j'y arrive pas, moi ? Alors, est-ce que vous pouvez nous envoyer quelques petits messages pour qu'on puisse... Alors, il y en a qui sont apparus, des petits messages, ouais. On les a vus. Ah, là, voilà. Là, je suis là. Ah, il y avait un message... si, il y a une question. Du coup, le phénotype... touche surtout la structure du chien. La morphologie. Je pense que ça doit être la morphologie. La morphologie, oui, mais aussi peut toucher aussi le comportement. Hein. Puisque j'observe mon chien, est-ce que mon chien est peureux, est-ce qu'il est agressif ? Ça, c'est un caractère observable. Oui, sur la définition en tant que telle, oui, voilà. Du mot phénotype. Phénotype, c'est l'ensemble des caractéristiques qui sont observables. Ouais. Donc, ça touche aussi bien la morpho que le comportement. Ça y est, maintenant j'arrive à voir du coup les questions, du coup c'est impeccable. On est à votre disposition si vous souhaitez des approfondissements ou s'il y a des choses qui n'étaient pas très claires.
On est parti un peu en live. On avait quelque chose de bien structuré et puis. Non, mais parce que, bah oui, comme il y a des interactions entre tous les domaines, après, effectivement, on a le fait de s'évaporer sur d'autres sujets, oui. Oh bah du coup, c'est bizarre ça. C'était si clair que ça, les amis. Ou alors on a endormi tout le monde. Oui. C'était trop théorique. C'était trop théorique. C'est le temps de regarder toutes les notes, sinon. Oui, peut-être aussi. Il y a peut-être beaucoup de notes. Moi, il y avait quelque chose, sinon. Je voulais chercher un petit peu les questions, sinon, il y avait. Tu m'as montré un document qui m'intéressait pas mal. Oui. On avait dit, ça va peut-être être trop compliqué au début, mais je pense que pour les plus passionnés. Ah, merci Jean-Mi, c'est gentil. C'est gentil, Jean-Mi. Tu avais un. Alors, c'était celui-là, on l'avait discuté avant. Performance en compétition. Alors, ça, c'est très intéressant. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, on a tendance à observer ce que l'on voit en compétition. Moi, je vais à la finale du championnat de France de ring, je vois le chien qui fait 380 points. C'est bientôt en plus. Bah oui, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Juste donc, avant notre training camp. Hein, donc, qui en passage, un petit séminaire international. Donc, il fait 380 points, donc il a performé en compétition. Donc là, c'est pareil. Il faut que je prenne du recul, parce que souvent, on le voit, je prends champion de France. Parce que comme il est champion de France, je fais saillir ma chaîne par champion de France. Alors ça, ça a une vertu commerciale. Parce que effectivement, comme je prends le champion de France, les gens vont peut-être se ruer sur ma portée sous prétexte que c'est le chien qui est champion de France. Mais la performance marketing, de la compétition, marketing. Là, c'est la question, c'est quelle est la valeur génétique pour l'aptitude de la compétition du chien? C'est-à-dire, est-ce qu'il va reproduire toutes les qualités que vous avez vues dans la compétition? Quel est l'effet du milieu? Je reprends encore l'exemple. Moi, j'ai un chien, mais comme je suis un très mauvais dresseur, j'ai un chien avec un très haut potentiel, mais comme je suis un très mauvais dresseur, bah, quand il va en concours, il fait 340 points. Il s'en est pris. Le même chien qui va avec les dresseurs qui vont au championnat de France tous les ans, le même chien, bah, il va finir à 380 points parce que l'influence du milieu a fait que le chien a performé à ce moment-là. Donc, il faut bien, je me demande, ce chien a fait 380 points, pourquoi? Parce que génétiquement, il est très très fort ou parce que le dresseur est très très fort? Ça, c'est une chose. Deuxième chose qu'on peut se poser, c'est quelle est la valeur génétique pour l'aptitude de la compétition du chien? C'est-à-dire, est-ce que c'est une valeur qui est liée au père ou une valeur qui est liée à la mère? On en avait parlé déjà tout à l'heure. 50-50. Voilà, la moitié de la valeur génétique est issue. 50-50. La valeur était issue de la valeur génétique de la mère. Et comme dirait Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 égale 3. Oui. Hein, parce que, non, parce que. Mais il a pas tort. Il a pas tort. Mais ça s'ajoute dans le sens où, effectivement. Exactement. On a dit tout à l'heure, l'influence de la mère dans la phase prénatale et dans la période néonatale. A une influence. Le sur brassage en lui-même recrée quelque chose de totalement nouveau. C'est pas. C'est certes 50-50 en termes de quantité de gènes donnés, livrés par le père ou livrés par la mère, mais par contre, le brassage qui va s'effectuer de tous ces gamètes, de tous ces gènes, c'est là où je dis 1 plus 1 égale 3. Ah, ça crée quelque chose de totalement nouveau. Donc, On entend des fois des éleveurs, ma chienne est un peu petite, je vais prendre un étalon qui est très grand. Donc ça veut dire que 50 cm au garrot plus 60 cm au garrot donne des chiots de 55. Ça, ça marche pas. Ça, ce serait trop simple. Hein. Il suffirait de prendre le champion et de l'additionner avec la championne pour avoir que des champions. Ça, c'est comme ça qu'on fait beau et bon, ça. Bah oui. Ça fait des pas bon. Ouais, non, mais là, c'est encore et c'est là, bah ouais. Bon, là, c'est encore un autre domaine, mais effectivement, vous avez des races, vous avez deux chiens différents. Le labrador d'exposition de 40 kg. Le chiot n'est pas la moyenne génétique du père et de la mère. Voilà. Alors, donc là, vous avez la moitié de la valeur génétique du père, la moitié de la valeur génétique de la mère. Ensuite, vous avez donc, ça c'était la génétique, vous avez le milieu, l'effet du milieu. L'effet du milieu pré-sevrage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la mère a-t-elle influencé le milieu et l'effet post-sevrage. C'est-à-dire que là, après, quand le chien arrive chez le client,
Ben, si le client ne sait pas faire mordre le chien, s'il n'a pas le tact pour là, ben, effectivement, la valeur du milieu qui a été engendrée par l'éleveur et la mère avant 2 mois ne sera pas valorisée. Mais ça veut aussi dire que le travail de l'éleveur ne s'arrête pas qu'à la naissance des chiots. Ça veut aussi dire qu'une fois que les chiots sont nés, il a une influence sur le devenir de ces chiots. Donc, il y avait la part du sélectionneur au début pour essayer d'avoir un maximum d'aptitudes innées dans le chiot. Mais ensuite, il a aussi un travail d'élevage pour amener ce potentiel à un meilleur niveau ou à l'optimiser, à le mettre en valeur avant que le futur propriétaire vienne en prendre possession. Ouais, il y avait un petit message, mon chien fait 70 cm au garrot, j'ai pas tout lu. Alors, ouais, mon chien fait 70 cm et pourtant les parents étaient au standard, c'est un gène qui vient de plus loin. Alors, qui vient de plus loin, oui, sans doute. C'est bien que le brassage génétique a fait qu'il y a eu une combinaison génétique qui a fait que le chien est grand. La taille, en tant que telle, alors, certes, si on ne l'a pas nourri le chien, vous savez, il n'a pas été très grand. Il y a une influence, mais malgré tout, c'est purement génétique. C'est quand même purement génétique. Donc, effectivement, même si ça ne se voit pas sur les parents, ça veut dire que les parents transportaient, étaient porteurs d'un gène quand même, on va dire, de grande taille. Oui. Sachant qu'en fait, il n'y a pas un gène qui donne la couleur des yeux, un gène qui donne la taille, ça serait trop simple. Ce sont des poules, ce sont des ensembles de gènes qui codent. Ce n'est pas un seul. Ah, là, il y a des effets de ce qu'on appelle des effets de codominance. C'est-à-dire qu'il y a un effet des gènes qui vont avoir une interaction entre eux. Et ça, vous ne le dominez pas toujours. Et en plus, ce sont souvent des poules génétiques. Ce n'est pas seulement un gène tout seul qui fait. Ce sont plusieurs gènes qui vont donner, on va dire, une certaine taille à l'animal. Mais effectivement, cet ensemble-là, il peut être soit dominant, soit récessif. Donc, si c'est récessif, il faut que les deux soient porteurs pour que ça puisse apparaître. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des petits chiens, mais ils avaient en eux quelque chose qui était caché, porteur, mais dans la transmission, la combinaison a fait que là, c'est apparu sur cet individu-là. Ce qui serait très intéressant, c'est de savoir si les frères et les sœurs font 70 cm, ou si au contraire, ils sont standards. Et là, ça permettrait d'indiquer si le chien qui fait 70 va plus facilement. Engendrer, c'est ça. Voilà. C'est le degré de confiance lié à la génétique à ce moment-là. Donc là, on revient exactement à ce que François nous disait tout à l'heure sur l'observation des collatéraux, qui permet d'avoir un peu une idée de l'héréditabilité de, par exemple, ce caractère qu'est la taille. Les collatéraux, les ascendants et les descendants. Alors les descendants en élevage canin, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Dans les animaux de rente, c'est facile parce que on n'a pas cette notion de... C'est le seul. Voilà. Donc ça veut dire que... Il y a très peu de chances, malgré tout, qu'ils retransmettent cette taille-là, en fait. C'est comme tout à l'heure, on disait, le chien qui a été champion de France de beauté... Statistiquement parlant. Comme c'est le seul à être bien, ce chien-là, il ne faut surtout pas l'utiliser. Ah là, c'est pas ce qu'on a dit, là. Non, mais... je dis pas qu'il faut... Non, mais par exemple... Quand je dis l'utiliser... L'utiliser par rapport à ce critère-là. Non, mais pas pour la taille. Non, mais je parle du chien champion d'exposition. Oui, j'étais revenu là-dessus. Okay. Donc là, les frères et sœurs, le père, la mère, la grand-mère n'avaient aucune qualité d'exposition. Lui, son brassage génétique a fait qu'il est parfait. Mais comme tout le reste de la famille n'a pas ces données-là, c'est pas le chien qu'il faut utiliser, quoi. Du coup... Carole nous dit d'où importance dans la sélection ADN du père et de la mère sur plusieurs générations. Ben oui. Plus vous avez des données sur plusieurs générations, bien sûr, plus votre degré de confiance va être grand, évidemment. C'est quand tu donnais l'exemple de champion du standard, tu disais si on regarde que le père, le grand-père ou la mère, la grand-mère sont performants en exposition, il y a quand même plus de chances que la descendance de cet individu-là le soit également. Et alors là, évidemment, je reviens sur une chose aussi, c'est dans vous êtes éleveur, à quoi il faut s'intéresser? Il faut s'intéresser au titre de champion ou il faut plutôt s'intéresser à la grille de cotation du club de race? Moi, je m'intéresserais plutôt à la grille de cotation du club de race.
dans le sens où un chien élite A ou élite B, il a prouvé sa valeur phénotypique, mais aussi sa valeur génotypique. Alors que le chien champion d'exposition, finalement, il a juste prouvé sa valeur phénotypique, mais pas sa valeur génotypique. Voilà, c'est un petit peu plus détaillé, mais oui. Non, c'est mais, peu... non mais parce que souvent, dans les publicités, on voit avant, oui, fils du champion. Oui, oui, mais moi, si je devais choisir un chien, je prendrais plutôt et, avant. Et encore, c'est bien, quand ils disent fils du champion, conduit par un tel. Parce que des fois, on croit que c'est le conducteur du chien qui va reproduire ses qualités. Oui, attention. Voilà. Hein. Oui, les chiots vont rien ne vont rien recevoir du propriétaire de l'étalon ou d'Alice. Ça, c'est vrai. Des fois, tu as plus une juste imposition de non-conducteur que des chiens. Alors là, là, c'est pas bon du tout. Et juste. Alors, si on reprend, oui, parce qu'on a un peu débordé encore une fois. Ah, mais on avait des questions, c'était intéressant. Oui, alors, il y avait une question qui était intéressante aussi, là. Mais c'était la réactivité. Est-elle génétique ou liée au milieu ? Ouais, c'est ça. Hein ? Bon, la Cindy nous demande la réactivité congénère est génétique ou c'est uniquement le milieu ? Alors, réactivité congénère, qu'on soit bien d'accord, est-ce que là on parle de la réactivité du chien à attraper une proie ou réactivité le chien qui est réactif congénère, c'est-à-dire qui va être agressif avec les congénères ? Je pense qu'elle va nous préciser. Vu la question, j'aurais dit plutôt à se bagarrer avec voilà, les... Ça, ouais. Alors, si c'est la réactivité congénère, c'est-à-dire le chien qui se bat avec tous les autres, il y a deux facteurs là. Il y a la génétique, il y a le milieu. Vous faites un élevage de Golden ou de Cavalier King Charles, vous êtes capable de mettre 7 ou 8 Cavalier King Charles ou 7 Golden ensemble dans un parc. Vous faites de l'élevage de Yak Terrier, n'en mettez pas 8 dans un parc. Parce que là, à la fin de la soirée, il n'y en a plus qu'un dedans. Donc, il y a quand même un effet génétique. Parce qu'il y a une sélection qui fait qu'on a sélectionné des chiens sur leur ténacité, leur agressivité. Parce que c'est le caractère. Le caractère, c'est ce qu'on leur a demandé. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, Fabrice disait, je me pose la question, est-ce que je suis capable de faire une suite en laisse avec mon caniche ? Oui. Là, est-ce que je suis capable, est-ce que mon fox terrier a le même comportement que mon golden ? Non. Donc, il y a bien un effet sélection. Après, sur nos chiens, j'allais dire, de ville, de vie en société, la plupart des chiens congénères, en fait, c'est aussi essentiellement lié au chien qui a peur. Parce qu'on constate que, éthologiquement, la plupart des chiens qui sont réactifs humains ou réactifs congénères, en fait, c'est par peur. Et nous, humains, on le traduit très souvent par « mon chien, il est trop dominant, il veut bouffer tous les autres ». Mais la plupart du temps, donc, influence du milieu. C'est l'influence du milieu. Donc, vous voyez que là, les deux sont liés. Que ce soit de ne pas connaître le mode de communication intraspécifique, parce que soit il n'a pas été isolé, donc pas assez en contact avec ses frères et sœurs, parce qu'il n'avait peut-être pas non plus mauvaise expérience, etc. Ou ne rien voir chez l'éleveur, ou après ne rien voir chez le maître. Tout ça, c'est influence du milieu. C'est donc ça, en fait, il y a un peu les deux. Tout dépend de la race quand même. Il y a quand même des races. Il y a un effet race. Hein. Ça veut dire qu'il y a un effet génétique. Hein. Il y a une question super intéressante de Fred Sell, c'est Frédéric, qui nous pose comme question, un chiot qui n'est pas travaillé par l'éleveur, peut-il perdre ses qualités ? Alors, si c'est des qualités génétiques, non. Si c'est... effectivement... Dis pas de bêtises, parce qu'il y a un peu de Big Show dans... Oui, non, non, mais... Chien, Non, non, mais si c'est des qualités génétiques, non, il ne les perd pas, puisque c'est le patrimoine génétique. Non, mais après, effectivement, voilà. Le chien. Si les aptitudes ne sont pas réveillées, si elles ne sont pas réveillées petites, et surtout plus encore que l'éleveur, je dirais, c'est dès qu'il y a eu la cassure. Là, c'est là où c'est clairement l'influence du milieu. Là, par contre, si on parle je vais pas y arriver ce soir. Si on parle purement génétique ou influence du milieu, clairement, là, on parle d'influence du milieu. L'influence du milieu ou la non-influence, oui, c'est-à-dire de ne pas intervenir, ça peut diminuer, atténuer, voire réduire à néant les qualités qui étaient pourtant innées chez l'animal, mais comme elles n'ont pas été révélées, réveillées,
bah, ça s'est endormi, ça a disparu. Oui. Et après, pour les ressortir, bah, le problème, c'est que toutes les expériences de vie viennent s'accumuler et ça enterre complètement, ça met complètement en dessous les qualités innées de l'animal. Oui. Et c'est sûr que l'éleveur, il a... Alors là, bon, puisque Fred, c'est quand même... Il est axé sur la compétition, il a un chiot de travail, donc je vais répondre par rapport à ça. Il est clair que l'éleveur a une certaine influence, mais à mon sens, c'est quand même parce que la cassure de l'élevage a une énorme importance. C'est vraiment le rôle du maître de révéler ce potentiel en fait. Parce que même si l'éleveur travaille consciencieusement, si à la, parce qu'à la cassure de l'élevage, il y a un effet, et donc impact du milieu, il y a un effet où le chiot, eh ben, il change de territoire, il change de groupe social, et donc du coup, si à ce moment-là, je ne vais pas dire qu'il se recroqueville, mais il se renferme là-dessus, et si à ce moment-là, dès les premiers jours, son potentiel n'est pas aussitôt remis en exergue, il va perdre ce qu'il avait peut-être vu chez l'éleveur, quoi. Donc, oui, force. Non, le chiot ne va pas perdre ses qualités s'il n'a pas été travaillé entre 6 semaines et 8 semaines par l'éleveur, c'est pas ces 2 semaines-là. C'est pas suffisant. Oui, si l'éleveur a fait des choses avec l'animal, socialisation, exposition, alors quand je dis exposition, c'est pas exposition de beauté, c'est exposition de le sortir dans des environnements extérieurs, le petit débourrage, toutes ces petites choses-là, ce sont des plus, mais c'est surtout le rôle du maître, quand il le prend et qu'il l'emmène chez lui, c'est à partir de ce moment-là qu'on, on va dire, on rejette les dés, on redémarre un petit peu à zéro. La question a été intéressante, et si on parle, parce que je pense que la majorité des gens qui nous regardent, c'est quand même des gens qui sont axés malinois, un effet très important chez l'éleveur, c'est la socialisation et l'exposition, plus que le débourrage travail. Pour notre race, le malinois, il y a quand même une certaine instabilité caractérielle. C'est primordial que l'éleveur, puis ensuite bien entendu le maître, sorte le chiot, lui montre un maximum de choses, un maximum d'interaction avec l'environnement extérieur. Ça, c'est primordial. Et effectivement, ça, par contre, si ça n'a pas été fait petit, ça va être très dur. Très, très dur. Rappelez-vous le confinement. Rappelez-vous les chiots qui sont nés pendant le confinement. Eh bien, je peux vous dire que c'est pas facile. Un Ragnar, il est couché en dessous. Bah, demandez à François s'il rentre dans le bureau facilement. Et ça, c'est intéressant parce que, y a, évidemment, c'est très lié au milieu, mais vous avez aussi un effet race. Vous prenez un berger belge que vous laissez dans un chenil, à 8 mois, il est insortable. Ah bah oui. Vous prenez alors, je voudrais pas trop catégoriser comme ça les races, mais dans mes observations que j'ai pu voir, le malinois qui n'est pas sorti du chenil, il est invivable. Par contre, un golden qui n'est pas trop sorti, il sera sans doute pas à l'aise, mais comme il n'est pas aussi émotif, c'est là où on est sur la stabilité caractérielle liée à la race. Finalement, ça passe beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'il est très à l'aise, mais on voit une différence notable entre races. Et donc, il y a caractère bien... Caractère qualitatif, la stabilité caractérielle. Ouais, c'est... Puisqu'on s'aperçoit que c'est lié à des races. Donc, c'est une part d'hérédité. Ouais. Et donc, c'est pour ça que l'éleveur a une énorme influence. Ah bah oui, ça c'est évident. Hein. Quand on connaît sa race, quand on connaît sa lignée, il y a des choses qui sont très importantes à faire, vous voyez. La stabilité caractérielle est un caractère qualitatif, donc plutôt issu de l'hérédité. Donc c'est important que l'éleveur travaille dessus pour rendre plus stable, là je parle pour les animaux, par exemple, plus stable l'animal, justement en ayant un maximum d'interactions. Et c'est pour ça que François, en citant l'exemple du Golden, du Labrador, des chiens qui sont beaucoup plus posés, beaucoup plus calmes, beaucoup plus stables caractériellement et émotionnellement, l'impact de l'éleveur dans les premiers jours de vie du chiot, s'il a un petit manque de voir du monde, des choses comme ça, sera assez peu d'influence. Attention, s'il ne voit jamais rien toute sa vie, ça va mal finir quand même. Mais ça aura moins d'influence. Ouais, ça fait une belle conclusion pour influence du milieu et hérédité. Moi, je propose... À moins qu'on ait... On n'a pas été au bout, mais... Peut-être. Bon, ce sera aussi nous une prochaine fois. Voilà, ouais. Allez, juste, je prends la dernière question de Anne parce que c'est Anne. Donc, je ne vais pas couper une vidéo sans prendre une question de Anne quand même. Elle fait du social.
fait du social, elle nous aime. Elle voit, alors qu'elle s'en fout. Elle voit, voilà, exactement. Bah, elle est complètement, mais elle dit, ah, les pauvres, je les aime bien, ils sont mignons, ils font pitié à parler tout seul. Ils sont tout seuls. Ils sont gentils à Saint-Thomas. Alors, on dit que les 12 premières semaines sont essentielles. Votre avis? Là, on est dans l'éthologie, là. Enfin, on est dans l'éthologie, alors, donc influence du milieu. Là, on ne parle plus d'hérédité. Non, là, c'est... Enfin, non. Là, hors sujet, Anne. Hors sujet. Donc, en fait, dans le développement comportemental, je ne sais pas si je repars... Rapidement, je ne vais pas trop vous... Là, on repart sur une heure d'explication. Dans le développement comportemental, vous avez quatre phases. Vous avez la période intra-utérine, 35 jours de gestation jusqu'à la naissance. Donc là, on sait qu'effectivement... il va y avoir une influence sur la préférence alimentaire, la sensibilité tactile, la réaction émotionnelle, etc. La période néonatale, 0-14 jours, la connexion des cellules nerveuses. Donc là, plus vous allez manipuler l'animal, plus les connexions vont s'établir. Ça a très peu d'influence sur le comportement futur du chiot. À partir de la période de transition, 14-21 jours, là, le chien, 14 jours, ouvre les paupières. Et là, il va commencer à voir sa mère, s'attacher à sa mère, s'identifier à l'espèce. Donc là, il y a un début d'attachement à sa mère, qui n'était pas vrai avant. Et à partir du 21e jour, le réflexe de sursautement, c'est-à-dire que là, maintenant, il entend. Et là, dans la période de socialisation, on va la situer du 21e jour jusqu'à à peu près 6 mois. Et dans cette phase-là, effectivement, la période de socialisation, vous avez deux phases. La phase d'attraction, c'est-à-dire tout ce qui est nouveau, le chien va dessus. J'ai mes chiots dans la maternité, je fais tomber le seau. Ils vont sur le seau sans réfléchir directement, ils se jettent dessus. À partir de, on va dire, c'est un petit peu variable, c'est pour ça que j'hésite un petit peu, mais à partir de la 9e semaine, tout ce qui est nouveau, dans un premier temps, c'est la phase d'aversion. C'est-à-dire tout ce qui est nouveau, le chien, il se sauve. Et après, il va s'en rapprocher. Et si on renouvelle cette expérience, au fur et à mesure de la répétition, quand on va faire tomber le seau, il va sauter sur le seau. Mais la phase d'inversion fait qu'à un moment donné, il y a une peur. Alors qu'avant, c'était une phase d'attraction, tout ce qui était nouveau. Donc effectivement, ce seuil que tu évoquais de 12 semaines, c'est même un petit peu avant d'ailleurs, hein, sur les phases d'attraction et d'aversion. Ça joue énormément, effectivement. Ouais. Ouais, si là, c'est purement de l'expérience comme ça, sur... mon propre cheptel, donc c'est que du malinois sur mes lignées. Oui, 12 semaines, 3 mois, si la socialisation, l'exposition, si toutes ces interactions n'ont pas été faites, bah, c'est quasiment trop tard. Et je pense que c'est vrai pour, en tout cas pour la race du malinois, c'est quasiment vrai pour tous. Oui. Et en... C'est vraiment, pour moi, c'est une fenêtre. Hein. Une fois que c'est fermé, une fois qu'on a fermé les volets, on peut rattraper. Mais pas complètement. On a gâché une occasion. Et en éthologie, d'ailleurs, il le différencie. Il y a la socialisation qu'on appelle primaire et la socialisation secondaire. La socialisation secondaire pourra se faire, on pourra rattraper des choses. Mmh. Mais là où tu vas mettre une journée dans la socialisation primaire, tu mettras 15 jours dans la socialisation secondaire et tu n'arriveras pas au niveau initial de la socialisation primaire de toute manière. Le Ragnar Briepo, il est couché en dessous. Lui, il est né pendant le confinement, alors autant dire qu'il est resté primaire. Il a pas... ben oui, et le secondaire, je vous explique pas le voyage au Texas. Hein. Je l'ai emmené avec moi, le pauvre, il s'est retrouvé en plein milieu de Houston. Il a pas trop compris. Ça lui a changé de Saint-Aubin. Pour vous dire, le manque d'éveil, confinement à Saint-Aubin. On pourrait dire que c'est un peu là, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'interaction, mais en plus, en plein confinement. Alors là, même les oiseaux étaient restés cachés dans les terriers et les nids. Hein. Donc, Ralpoché, il s'est retrouvé en plein milieu de Houston, bon, une ville de 10 millions d'habitants, hein, ça klaxonne de partout, 6 voies de chaque côté, les autoroutes, les machins. Ah bah là, le côté secondaire, ça pas marché. Et c'est là où il faut sortir le chien énormément pendant la période 8 semaines, enfin 4 mois, mais même après, mais... Ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, il y a 30 ans, les vétérinaires vous disaient surtout ne sortez pas votre chien avant 6 mois. Parce que sanitairement, aujourd'hui, les vétérinaires modernes qui ont eu des cours d'éthologie, parce que ça se fait aujourd'hui, ils ont des cours un peu plus, même si c'est pas énorme. Ça dépasse une heure dans tout le cursus. Ouais, pas beaucoup, un petit peu, mais pas beaucoup plus, malheureusement. La dernière fois que j'en ai vu un, il a mis une claque à mon chien, il est toujours peur.
Et de la main de l'homme. Les gens aujourd'hui s'accordent à dire, quand vous avez des vétérinaires, enfin, les Bédossa, les Joël Dehas, etc., les vétérinaires qui s'y sont vraiment intéressés, conseillent aux gens aujourd'hui d'aller dans un club canin à l'âge de 2 mois, hein, pour les écoles du chien, etc. Mais... Et ce que vous allez faire, c'est, vous avez ce qu'on appelle un seuil d'homéostasie sensorielle. Et alors, c'est un terme un peu scientifique, mais le seuil d'homéostasie sensorielle, en fait, c'est le niveau de stimuli acceptable par un individu avant qu'il rentre en stress. C'est-à-dire que plus vous lui avez montré de choses à un âge, plus il a un seuil d'homéostasie sensorielle élevé, plus, avant de rentrer dans une émotion, eh bien, il va lui en falloir beaucoup. Alors que le chien qui a le syndrome du kennel, du schnil, c'est ce que, comme ça que le définissent les Anglais, ben lui, il a un seuil d'homéostasie sensorielle très bas, et au moindre stimuli, c'est une catastrophe pour lui. Il n'est pas capable de gérer ses émotions. Et donc, éthologie égale influence du milieu. Oui, enfin, évidemment. Oui. Mais si après, ça peut être, pourquoi pas, le sujet d'une autre... Oui, non, non, mais parce que c'est lié au milieu, hein, c'est pour ça qu'on était un peu parti là-dessus. Mais, Fred me dit, certains éleveurs se contentent de passer des CD de bruit sans les sortir. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà, alors... C'est mieux que rien. Ça fait partie des expositions sensorielles. Les bruits sont aussi importants que la vue ou l'odeur. Alors, il y a plein de choses à faire. Hein, mais moi, c'est ce que je veux dire. On est assez en retard, effectivement, par exemple, par rapport aux pays scandinaves ou anglo-saxons, parce que effectivement, il y a des stimulations visuelles, des stimulations sonores, des stimulations tactiles, des stimulations olfactives. Un chien, par exemple, qui est destiné à être chien visiteur, aller dans les hôpitaux, etc. On a ce qu'on appelle des boîtes à odeurs, c'est-à-dire qu'on lui montre des odeurs différentes. Et il est habitué à ces molécules-là, alors que quand on ne lui a pas montré, quand il arrive dans un hôpital et qu'il est confronté à des odeurs d'éther, c'est agressant pour lui, quoi. Et Dany, il a tout compris. Il montre des vidéos, ce qu'il m'a mis dans le dessin, de ring à son chien. Ah bah voilà. Bon, on attend de voir Pirate en concours maintenant, parce que comme ça, on saura quelle vidéo il a vue. J'espère que t'as mis quand même des finales de ring, quand même. Pas des concours trop bas niveau, ou des entraînements un peu ratés, quand même. Montre-lui. Et puis surtout là où il y a une garde d'objets, quoi. Il paraît qu'il faut travailler la garde d'objets, Dany. Bon, écoutez, les amis, je pense que pour ce soir, on a fait un petit peu le tour de la question. On reste toujours disponible en commentaire. Donc, si jamais, après coup, en revisionnant la vidéo, vous avez des questions ou certaines informations, je vous y répondrai ou je passerai le message à François qui m'aidera à vous répondre si c'est des choses trop techniques, trop scientifiques. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Dites-nous aussi si ça vous a intéressé, si vous souhaitez que l'on en refasse d'autres. Alors là, c'était un sujet d'élevage. On peut varier les sujets, on peut partir aussi sur l'éducation, il peut y avoir pas mal de sujets. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous intéresse le plus. Là, ce coup-ci, tu avais proposé plusieurs sujets, ils avaient choisi le leur. Ça peut être dans un autre domaine la même chose. Écoutez, on reste à votre écoute. C'est vous qui nous dites si ça vous a intéressé et si vous en voulez d'autres, tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie pour les plus courageux d'entre vous qui ont tenu jusqu'au bout de la vidéo. Et on vous dit à bientôt, les amis. Au revoir. Salut François. Au revoir à tous. Et c'est là où il faut éteindre le truc. Et je ne sais jamais comment faut faire, donc j'ai l'air couillon. Non, on va mettre en gros. Hop. Ben non, j'ai toujours pas arrêté. Je sais même pas l'arrêter. À bientôt les amis. Ou pas. De toute façon, on va rester bloqué pendant un petit bout de temps.